Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis médiatrice au TMG. En raison de la pandémie du coronavirus, nous avons dû annuler 12 spectacles qui étaient programmés entre mars et juin 2020. Afin de soutenir les équipes artistiques et de vous permettre de découvrir ces spectacles, nous avons fait le choix de les reporter sur la saison 2021 et l'automne 21. Donc voici ceux que vous pourrez découvrir la saison prochaine. De la compagnie Bacala. Donc, nous les avions accueillis l'an dernier avec leur spectacle Oh Oh, et nous sommes vraiment ravis de vous faire découvrir cette saison une autre de leur création, Psss Psss. Un très beau spectacle, drôle et charmant, qui est aussi entre le cirque et le théâtre muet. Ce spectacle a connu un succès fou et a littéralement fait le tour du monde et a été de nombreuses fois primé. Il met en scène deux clowns muets qui nous transportent à travers une performance hors du temps, dans l'intimité de l'être humain. Une heure de bonheur pur et simple à ne manquer vraiment sous aucun prétexte. Les 12 travaux d'Hercule, du Festin des Idiots. Un cabaret drag queen déjanté, mêlant du playback, des chorés improbables, des pures chansons de variétoches et des sketchs, bien sûr. Un spectacle complètement barré, décalé, haut en couleur, plein de strass et paillettes. Les 8 comédiens sur scène en talons aiguilles vous promettent une soirée folle dans tous les sens du terme. Vous ne voudriez vraiment pas manquer ça tout de même. Alors un conseil, dépêchez-vous de prendre vos places car ce sera complet, on vous aura prévenu. Fire of Emotions, Palm Park Queens de Pamena Descoulons. Il s'agit du troisième volet de la saga Fire of Emotions. Après une envolée dans le cosmos et une plongée dans l'océan avec le spectacle The Abyss que nous avions accueilli pendant la saison 18-19, nous vivrons cette fois un retour à la Terre pour l'habiter. Pamena interroge les nombreuses facettes de ce retour à la Terre. Qu'est-ce que la Terre? De quelle Terre parle-t-on? Les sujets abordés vont du paysage, de l'environnement et de l'écologie, aux questions de la propriété privée, des jardins, des parcs et de l'agriculture. Bref, on vous promet un voyage métaphysique qui vous ramènera vers vos racines terriennes essentielles. Soyez curieux et laissez-vous embarquer. En Outre-Noir, de la compagnie 4749, François Vérune. Artiste associé au TMG, François Vérune, chorégraphe, propose ici une version multifrontale de son spectacle Outre-Noir, inspiré par l'œuvre de Pierre Soulages. Au Grand Théâtre, les spectateurs seront invités à vivre une expérience unique, car une partie du public sera en effet assis sur scène, au plus près des 5 danseurs et danseuses. Il serait vraiment dommage de passer à côté d'une telle opportunité. Café Ulysse de la compagnie Caracol, dans le cadre du Festival des Arts du Récit. Il s'agit de récits d'hospitalité et d'exil, inspirés tout à la fois de l'Odyssée et du monde contemporain, interprétés par 3 comédiens polyglottes. Alors prenez le temps de faire une halte dans ce café, où vous constaterez que les questions d'identité et d'exil sont toujours d'actualité, comme à l'époque d'Homère. La buvette, le tracteur et le curé de Serge Papagali. On ne présente plus bien sûr Serge Papagali, figure mythique de la scène iséroise, qui nous emmène dans une nouvelle aventure des Maudrus, ces paysans dauphinois qui ont du mal à vivre de leur petite exploitation agricole. Comme d'habitude, vous ne serez pas déçus par cette comédie rurale, et vous ne regretterez pas d'être venus. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces spectacles, rendez-vous sur le site internet du théâtre www.theatre-grenoble.fr. Nous pouvons également vous proposer une présentation de saison personnalisée pour vous donner plus de détails sur la programmation en fonction de vos goûts et de vos centres d'intérêt. Nous pourrons le faire par téléphone, en visioconférence, au théâtre, dans un parc ou même chez vous. Pour cela, il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone à l'adresse ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez réserver vos places à partir du 1er septembre sur notre site, par téléphone ou à la billetterie du TMJ Place Saint-André. Au plaisir de vous revoir bientôt au théâtre.